Et bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve en putois sur, enfin l'Ipsilodon, je crois que c'est ça le nom, sur The Isle Evrima. On va tester ensemble cette bestiole que j'ai jamais voulu tester parce que, parce qu'on est, en fait on spawn directement full adulte. Donc ça me dérange un petit peu, mais il a quand même pas mal de petites capacités qui peuvent être sympas. Bon, il est plutôt petit, je suis un mâle. Et puis c'est tout, je fais du 15 de beat force et je fais 20 kilos. Ok, alors... Bon, déjà, tu sautes haut, ça c'est bien. Normalement, on peut cracher à la gueule des gens. Ah ouais, mais c'est chaud de viser comme ça, non? Ah, d'accord. Est-ce que ça use de la stam, ce truc? Un petit peu, non? Ou c'est moi qui en ai perdu en marchant? Ok. Bon, on va être une victime. Hein. On va être... Oh, il y a... Bon, je suis herbivore, hein, mais... Alors, est-ce qu'il y avait moyen de monter dans les arbres avec ce truc? Vas-y, renifle un coup. Tellement mignon, petit putois. Il est tellement mignon quand il renifle. Ok. Bon, il y a un cadavre. Et ça, j'aime bien. Ah non, j'aime pas, mais... Ah, mais on est là. Oh, faut que je traverse l'eau. C'est quand même risqué, hein. C'est quand même risqué. On va aller essayer d'embêter des gens un peu. Petite poule. C'est vrai que oui, ça fait un moment que vous me demandez de tester. Après, enfin, je pense qu'il vaut pas grand-chose. Hein. Ça doit être un peu à jouer comme un drio, ce truc. Il est mignon, hein. Ça c'est sûr. Il a beaucoup de stam, apparemment. Plutôt rapide, plutôt efficace. Mais... je sais pas où je vais pouvoir traverser, par contre. Est-ce qu'il nage vite, ce truc? On va tenter. Hein. De toute façon, on perd rien. Oula! Je coule. Je coule, mais je remonte. Ah ouais, non mais il est rapide même dans l'eau. Une poule d'eau, quoi. Ok. En tout cas, il est très très beau avec ses plumes et tout. Ça, il devrait le mettre en IA, ça, quand même. Ça pourrait être sympa, des IA de ce truc. Bon, après, pour les choper, allez-y. Hein. Levez-vous de bonheur. Est-ce qu'il y a des buissons dans ce coin? Comme il roule de la tête. Je trouve ça trop stylé. C'est qui fait quoi? J'ai envie de leur cracher dessus, quoi. Je sais pas où ils sont, mais... Ce serait pas mal de leur cracher dessus, en vrai. Je leur ai craché dessus. Alors... Quand je leur crache dessus comme ça leur... comment? Ça leur enlève... Ça leur... ils perdent la vue pendant quelques secondes. Oh, c'est bon, je crois qu'ils m'ont lâché. On va vite aller dans les arbres un peu. Je fais des traces partout, ils vont être contents. Voilà. Hop. On va finir par tomber sur un truc à cette vitesse-là. En tout cas, la stam, elle est terrible. En vrai, il faudrait que je me perche et que j'emmerde les gens en criant. Pourquoi? Parce que... déjà parce que c'est bien. Et parce qu'ils pourront pas me choper. Ça va les énerver. Je vais aller aux côtés des rochers, là. Enfin, pas celui-là, parce qu'il y a... Ah, quoi que... Est-ce qu'ils peuvent monter là-dessus? J'ai entendu un truc. Attends. Non! Oula, alors lui? Faire des traces partout. En plus, j'ai plus de stam bientôt. Jamais! Ah, oh, j'aurais dû lui cracher dessus à lui. Ça va être mon nouveau truc, cracher sur les gens. Bah en vrai, c'est un peu tout ce que je peux faire. On testera la femelle, voir à quoi elle ressemble. Je vais reprendre ma stam quelque part. Ah. Chut. Discrétion. On dirait qu'il est aveugle un peu. Il a des gros yeux, des grosses pupilles. Il est peut-être à moitié aveugle ce truc. C'est peut-être parce qu'il rend aveugle qu'ils ont fait des yeux pareils. Il reprend hyper vite sa stam, c'est stylé ça.
Vous faites un groupe. Oh, faudrait qu'on fasse ça avec les copains. On se fait un groupe de putois trollers. Ah, ça peut être marrant, ouais. Ah, idée. Ah ouais, mais ça serait bien qu'on se fasse vraiment un giga groupe, quoi. Même avec vous, les copains, si vous voulez venir. On s'amuse en putois sur un serveur. Faire ça. Après, je sais pas qui. Bah, je pense que tout le monde joue un peu à la version Evrima. Ça pourrait être pas mal, ouais. Les putois trollers. Non, ça vous dit pas? Bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit des putois trollers. On se fait un petit event en putois sur un serveur et ce serait cool si on arrive à être une vingtaine. Très bien, très bien. Par contre, il n'y a pas de buisson dans ce coin. Ah si. Ah bah si. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh, puis il y en a quand même pas mal. Après, c'est un peu où il y avait du tas, ça, là-bas, non? En tout cas, il y avait un cadavre. Bon, on est quand même vachement discret, hein, parce que nous choper dans l'herbe, là. Coton. Le peu que j'ai couru après des putois, les choper, c'est pas évident. Hein. En vrai, il faudrait que je me trouve des copains Herbie, mais. Je sais pas trop où. Je sais pas trop où ils sont. Si on croise des Herbies, je me mets dans leur groupe. Alors, ton animation manger? Ouais, bah tu picores, quoi. Il picore, il picore. Ah ouais, non, il mange avec ses petites pattes aussi, ouais. Il est sympa. Sympa, sympa. Allez, c'est bon, tu vas vomir sinon. Où c'est que je pourrais aller? Je sais qu'il y a un rocher, mais j'arrive déjà pas à y monter en Utah, alors c'est pas dit avec lui. Bon, ce qui est cool, c'est que comme il est rapide, on peut quand même se promener pas mal. Oh, les lags, hein, par contre. Hein. On n'en parle même plus. Je veux même plus en entendre parler de ces lags. Ça me gonfle, mais modèle géant. Vraiment. Vraiment, vraiment, parce que franchement, que ce soit les deux versions, elles sont full lag. J'adore The Isle, mais il y a un moment donné, faut être clair quand même et réaliste. Ça serait bien qu'ils optimisent leur jeu et qu'ils fassent que ces lags-là disparaissent parce que ça gâche le jeu pour le coup. Moi, ça me fait rager quand je dois me déco. Soit en plein combat, soit après un combat, ou soit voilà, quand je suis vraiment en full lag et que ça passe pas, vous êtes obligé de vous déco-reco pour que ça s'arrête. C'est quand même dingue, quoi. Où est où le rocher? Normalement, c'est. Ou alors je me suis trop éloignée. J'adore sa façon de courir, par contre. Il est très drôle. Ah, je crois que je me suis trop éloignée, ça doit être par là-bas. Regardez cette vitesse, quoi. C'est censé être quoi, ça? Enfin, ça existe, hein, sûrement. C'est l'ancêtre du paon? Ou du faisan? Je sais rien. Pour les connaisseurs, hein, dites-moi l'ancêtre de quoi c'est ce machin. Un peu de tout, je pense. Hein. J'aime bien sa queue. Ah, c'est excellent! Si vous voulez que les gens vous voient. Ok. Comment je fais ça? C'est avec espace en fait. C'est avant de jump. Ah, par contre, ça m'a niqué toute ma stam. C'est marrant. Ah, vous levez tous la queue comme ça dans les herbes, ça peut être drôle, ouais. Là. Le rocher. Je suis désolée si vous entendez des enfants en arrière-plan, hein, c'est les voisins, comme d'hab. Ils jouent au ballon. Ils ont bien raison, il fait beau, mais bon. C'est un peu embêtant pour moi. Est-ce que je peux. En Utah, ça se fait. Enfin, moi, j'y arrivais pas bien en Utah, mais je vais encore me suicider, quoi. Je le sens bien, cette histoire. Attendez. Qu'en fait, il y a un truc qui me dérange. C'est quand on saute sur cette version, ils font un demi-tour dans les airs, les machins. Voilà. Et il y a toujours un petit demi-tour bizarre. Allez! Non, t'as pas assez de stam? Attends. Il est quand même vachement mignon. Oui, je prenais des screens. Hein. On connaît. Alors.
Ah oui, ouais, tu sautes bien quand même. C'est là que je me tue en Utah, à chaque fois. Alors attendez. Hop. Attends. Ok. Voilà, bon, ça commence à être pas mal. Alors attends. J'ai peur parce que ça les décale dans tous les sens quand on saute. Ah, j'ai plus de stam. J'ai plus de stam. Couche-toi. Je grimpe là-haut et je vais faire que de gueuler. Ça va en attirer certains en bas. Et après, bah, on verra hein, ce que ça donne. De toute façon, c'est la nuit, j'ai pas grand-chose à faire. J'aurais dû aller boire avant, par contre. Alors, on m'a dit aussi, et c'est vrai, regardez. Quand je suis couchée comme ça, si j'appuie sur la touche avancée, je vais perdre de la stam. Voilà. Et quand je suis couchée, en fait, pour vous relever, pour pas perdre votre stam en vous relevant, c'est la même touche que vous vous allongez, en fait. C'est H hein, de base, moi je l'ai enlevé, je l'ai changé. Bah, tu me fais peur, hein, le petit putois. Là! Oui! Après, qu'est-ce que je vais faire là? Pas grand-chose. Ah, il y a des. Un carnot là, en bas. Pas si vous le voyez bien. Oh, trop mignon! Ces petits cris gentils. Énervé? Ah ouais. Ouais, c'est vraiment un putois en vrai. Ok. Bel cri de peur. Voilà. Je vais me cacher un peu et je vais gueuler. Rien nif en tout cas. Il y a des morts partout, c'est moi. C'est quoi? C'est des carcasses qu'il a lui? C'est quoi? C'est des carcasses? Ah non, il est reparti buter un truc. Ouais. Tellement dégueulasse ça. Regardez, il est full carcasse le mec. Il continue à buter des machins. Il les jette dans le vide. C'est pour ça que je supporte plus cette version. Vous avez toute la beauté du joueur devant vos yeux, ébahi. Tellement ridicule, quoi. Il va pas les manger, hein? Non. Ah non. Pourquoi faire? Vous savez quoi? J'allais lui cracher à la gueule. C'est tout. Non, mais bon, à un moment donné, faut être réaliste, hein? Il va me bouffer, hein? On s'en fout de toute façon, puisqu'on spawn adulte et que. Comment? Et qu'on le proc pas, mais. Bon, si on peut s'en sortir, tant mieux. Il faut que je prenne en main le truc de cracher. Hein. Attendez, hein. J'ai un crunch avec ce truc? J'ai un crunch. Il va m'entendre. Hein. Je vais cracher dessus. Ça va, il était en train de crier, donc. Faire des traces partout. Voilà. Ouais, il faut pas exagérer, hein. Faudrait pas exagérer, monsieur. Hein. Ah, par contre, je vais peut-être aller boire. Ouais. Je vais te faire la con. On va peut-être aller boire malgré. Bon voilà, non mais c'était par pure envie parce que celui-là hein, m'énerve un peu. Désolé si c'est l'un de vous hein, d'ailleurs. N'empêche que jouer bien, ça serait cool. Ce serait tellement bien que les gens jouent bien. Un corps par terre, arrêt de combat. Un corps par terre, c'est pour manger. On tue des gens, c'est pour manger. On joue bien quoi, tout simplement. Lui aussi il joue bien par contre. Allez, il a bien joué. Je l'ai pas entendu arriver. Bon, on va tester la femelle pour le coup. Et je vais aller leur cracher. Ah bah je suis déçue. Il n'y a pas de différence physique quoi. Enfin, j'ai pas l'impression. Je suis où là?
Ok. Ça va pas être trop loin des Utah et tout là. Ah, peut-être, si, ils étaient bien plus loin. Il y a un corps là. Il y a un corps, il y a un corps. Peut-être moi. Ah oui, c'est peut-être moi. Peut-être encore les mêmes Utah? Où je l'ai? Normal. Problème, c'est que je peux pas lâcher sans cracher là. Ça lag de trop, je peux pas dézoomer rien. Hein. Crache un coup. Voilà. Ok. Non, je vais pas me coucher. Je le sens tellement pas. Je sais pas où il est. C'est un copain. Il fera gaffe, il y a un Utah dans le coin. Ou alors c'était lui, mais ça faisait un reniflage d'Utah. Hein. Bon, très bien. C'était vous, c'était par là-bas que vous allez. Là-bas. Là-bas, il y a les Utahs, c'est sûr. Ceux qui m'ont attaqué tout à l'heure. Ouh, j'en sais rien, mais... Oh, ils ont dû me bouffer, hein, assez rapidement. Ah, mais attendez, il y a toujours le carnot. Logiquement. On notera quand même que j'ai voulu cracher sur mon pote, hein, mais j'en savais rien, moi. Il me suit? Ouais, ça. Bon, il a embêté le carnot. Bon, le carnot nous aura peut-être à un moment donné, mais... Peut-être, peut-être. Ouais, je suis assez déçu par contre qu'il n'y ait pas. Alors, déjà qu'il n'y a pas de gros chez ces machins-là. Et en plus, il n'y a même pas de différence entre mâle et femelle, c'est dommage. La femelle aurait dû être moins colorée, ça aurait été plus stylé. Il doit se demander où je vais, hein, mais. Je cherche un carnot. Pas que, hein, si on peut se trouver un buisson aussi. Peut-être plus loin. Non, c'était pas lui. Hein. Il fait pas de bruit quand il y a des corps. Hein. Il y a des buissons un peu plus loin. Ouais, là. Bon, ça va, je suis pas la seule à jouer le putois. Allez, viens. Ouais, non, il n'y a pas de différence. C'est les deux mêmes skins. Je sais pas si lui, c'est une femelle ou un mâle, mais en tous les cas... Pas tellement de différence. Ok, bon, il y a un cadavre là-bas. Carnot, je sais pas s'il sera toujours là-bas, mais...
Mais c'était plus par là le Carnot. Je sais même plus où c'était en vrai. C'est fin de rivière, en haut d'un truc. Me dis toujours, ouais. La vitesse du truc. Attends. Prends un peu ma stam. Je crois que c'était par là. Ouais. Allez, putain. Ouais, derrière, il y a un Carnot. Et au rocher, je pense pas. Hein. Il y a des Utah, je sais pas où. Le Carnot, ça devait être là derrière. Peut-être. Il doit plus y être. Hein. Ce serait bien qu'on se trouve des potes Herbie en vrai. Au lieu de chercher des. Ah si, il y a toujours les cadavres. Au lieu de chercher les Carnot. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Alors, attendez. Il y va direct, hein, mais il sait pas. Il y a plus, lui. Gros Carnot. Attends. Si c'était encore là. Ça fait deux fois que je leur crache dessus, ça va pas leur plaire. Hein. Tellement insupportable ces machins-là. Et non! Je sais pas ce que ça leur fait. Aux adultes, je sais pas si ça leur fait quelque chose, mais. Il va me foncer dessus à un moment donné. Oui, oh, ça va, ça leur fait rien du tout. En vrai, ça va, ils mangent les corps finalement. Ah, mais là, ils vont avoir fini avant que j'arrive. Bon, mon pote doit se demander ce que je glande, mais c'est pas grave. Me faire choper parce que je les vois pas. Ah si, on peut annuler. Et où? J'aime bien faire ça. Bon.
J'avais un petit carnot, mais je sais pas où il est. On va aller voir du côté de l'eau un peu quand même. Attendez, pas que je tombe dans l'eau par contre. Il y a du sang, il y a de l'eau. Et il y a du sang et il y a de l'eau. Ah. En vrai, après, j'ai peut-être essayé de prog mon carnot sur ce serveur-là. Il m'a l'air un peu plus calme que l'autre où j'étais. Je pense qu'après, je vous refais une vidéo carnot pour la prochaine fois, mais sur ce serveur-là, peut-être que ça sera mieux. Je me rappelle d'ici, hein, c'était assez dangereux la première fois où je suis venue. Non, je suis dans un trou. Bien sûr que je suis dans un trou. Y a moyen de monter là-dessus? Mission commando pour les deux petits putois. Et va Nutin. Nous on partait sur les carnots à la base. J'aime bien ce qu'on se parle pas, mais on fait les mêmes conneries quoi. C'est cool. Ok. Fais juste un petit tour, je crois que j'ai encore Lutin au fion. Que lui il est parti sur les carnots. Non, il s'est caché. Ah ouais, ils sont là. Attendez. Il m'a vu. Il m'a vu. Ce qu'on fait sert strictement à rien, on est d'accord. On va jamais tuer un carnot. Ah, quoique. Peut-être des petits coups de bec sur les petits, hein. On sait pas, mais ça nous servira à rien, on est herbie. C'est juste pour embêter, hein. Non, je vois mieux comme ça. Je sais pas ce qu'il fait lui aussi de son côté. Je pense qu'il fait la même. Hein. Attendez, là je vais me bloquer. Ah, il y a des herbies là. Il y a des stégos de l'autre côté.
aller de l'autre côté, je sais pas comment on pourrait faire. Ah! En vrai, c'est pas évident. Fait qu'on arrive à traverser avec copain. C'est pas dit qu'on y arrive. Mais ça peut être resté beau. Il a réussi à traverser? Quel bordel! Les Carnot se battent avec des Utahs, les Stégos courent au milieu, on sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils se battent avec les Utahs aussi, apparemment? Ok, et où mon pote? Oh, il a dû se faire choper. Non. Les Carnot, ils chopent des trucs là. Et où est Stego? Mais il est où mon pote? Non. Je crois qu'il est mort. Je crois que c'est le décès hein, du joueur anglais. Allez, la Stego, il est là. Ouais, par contre. On est d'accord que c'est moi qui vais mourir dans l'histoire, hein. J'ai vu un truc passer. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est un copain. J'ose pas aller boire, quoi. Enfin, en même temps, j'ai pas soif. Traverse. Ah, c'est pas le même pote, hein. Changer d'amis entre-temps. Il a emblide le Stego. Non! Ah, ça va. Putain, j'ai eu peur. Bah ouais, mais il reste au milieu en même temps, hein. Moi j'ai faim par contre. Bon, de toute façon, on va pas tarder à déco, on aura testé un petit peu le putois. Pas trop ce qu'on pourrait faire plus ici de toute façon. Il n'y a rien à bouffer. Oula, c'est le. Il se passe quoi ici? Toujours le même bordel. Ravi de l'apprendre. Ça n'a pas évolué depuis la nuit. Oula, moi je vois rien. Attendez, attendez, attendez. Fous-toi comme ça, toi. Galère, hein? C'est galère. Ok. Il y a du sang partout, hein? Du sang partout par terre. Bon. Pff, écoutez, on va aller cracher sur la tête du croco et je pense qu'on va s'arrêter là. Pour le petit putois. Et on se retrouvera, bah, je pense, en Carnot. J'aimerais bien du coup essayer le Carnot sur ce serveur-là. Dernier essai hein, pour moi, sinon après j'arrête. Comment? Il est où le croco?
Ah, quoi que, on pourrait aller voir vite fait les herbis là-bas. Essayer d'aider, mais. À notre niveau, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a plus de. Ils ont tué tous les. Je peux me rouler, moi? Oh, moi, je peux pas. Non. Moi, je me roule pas, moi. Me faire choper. Hein. Oh bah. Dis donc. Bonjour. Ils attaquent pas eux. Pas quelle idée. Ah bon. Ils ont peut-être un corps. Hein. Voir s'il y a des règles en même temps. Voilà, ils ont de la bouffe, ouais. Pourquoi ils grimpent là-haut les. Y a des règles ou pas sur ce serve? Peut-être bien. Je sais pas pourquoi le stego est perché. Et bah écoutez les copains, on va s'arrêter là pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve la prochaine fois en Carnot sur Evrima. Et ensuite, on reprendra quand même un petit peu Legacy, je l'avais dit, mais il faut qu'on le refasse. Retourner un petit peu sur Legacy avant qu'il n'existe plus à un moment donné, donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. À rejoindre la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. C'était Lee sur Evrima, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!